Bonjour, nous sommes Blockchain Partner. Nous sommes venus ici pour présenter ce qu'était la blockchain, ses principales applications aujourd'hui dans le monde. La blockchain, donc, c'est une façon de faire des transactions à faible coût. De façon générale, on peut même dire que c'est une façon de s'entendre, de créer du consensus sans avoir recours à un tiers centralisateur. Donc on a échangé sur les principales applications autour des transactions, de la sécurisation de données et de façon générale l'organisation d'écosystèmes sans centralisateur. Il y a eu beaucoup d'échanges et j'espère que tout le monde est reparti avec de belles idées. Donc on a été invité par Madame Vallée à s'exprimer devant la Fondation pour la jeunesse numérique. On a accepté avec grand plaisir parce qu'on avait quelque chose à dire à la jeunesse. On en fait partie déjà. Et dire qu'avec des technologies comme la blockchain, qui vont révolutionner la façon dont on fait du business, la façon dont on va transférer de la valeur, il y avait des choses à créer. Et cette fondation avait choisi des startups qui sont très pertinentes. On a adoré discuter avec eux. Et l'idée, c'était de s'échanger vraiment des cas très pratiques, de montrer ce qu'on pouvait faire avec, ce qu'il était possible de faire, comment se former là-dessus. Et donc les discussions étaient à fleur et mouchetée et on a adoré discuter vraiment. On gardera le contact et s'il y a des bonnes informations à transmettre, on les transmettra. Alors cette formation nous a permis de mieux comprendre ce qu'était quoi la blockchain et la crypto-monnaie et d'en mesurer l'importance pour le développement de nos startups africaines, surtout dans l'applicabilité de certaines blockchains ici même en Côte d'Ivoire et de nous permettre de connaître des API, enfin, des sites internet qui existent déjà pour nous faciliter en fait l'accès à cette blockchain-là. Et cette blockchain, on a compris aujourd'hui qu'elle représentait vraiment l'avenir. Et comme l'Afrique elle est en ce moment en plein développement, en plein boom au niveau des startups, je pense que cette formation est venue en fait à point nommé pour pouvoir nous permettre en fait de sauter certaines étapes et d'avancer dans un système très sécurisé et plus rapidement sur nos différents projets.